you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu update de ma routine soin des cheveux. Parce que là, je me suis coupée toute seule les cheveux. Voilà, parce que pas le temps d'aller chez le coiffeur. Tout simplement. Donc je me suis un peu débrouillée comme je pouvais. Et ils en avaient besoin parce que j'ai retiré à peu près ça. Voilà, sur toute la longueur. Parce qu'ils étaient vraiment trop secs. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai eu ma période cheveux gras. Donc j'ai réussi à réguler grâce au Lopou, donc la routine du premier semestre 2016 que je vous ai publiée. Et maintenant c'est vrai que j'ai commencé à utiliser d'autres produits pour réhydrater mes cheveux. Donc effectivement j'ai testé certains produits, notamment les bains d'huile que j'avais trouvé chez Noz mélangé avec du gasoul, ou je sais pas comment on le dit en fait, ou du rasoul, bref, je sais pas comment ça se prononce. Donc ça plus les shampoings sans sulfate, sans phosphate, sans tout ça, sans méthyle, sans alcool, sans voilà quoi. Et j'ai réalisé quand même que mes cheveux étaient en meilleure santé. Et en fait sur Octoly, au comble du bonheur, je vois ce produit de Bumble & Bumble. Bumble & Bumble, c'est une marque que j'affectionne énormément. Quand je suis allée sur la croisière en fait d'Octoly, ils nous ont fait tester pas mal de produits dont j'ai vraiment aimé les effets sur mes cheveux. Et donc le truc étant que, si vous voulez, je voulais passer au Lopou. Donc malgré le fait que les produits qui m'est montré et que j'ai pu tester étaient bien, quand j'ai vu la compo, j'ai pas voulu, non, je voulais pas. Cependant, quand j'ai vu la compo de ça, mes amis, et quand j'ai vu ce que c'était, alors là je suis restée sans voix. Je leur ai envoyé un message en leur disant, honnêtement, faut que vous me fassiez tester ça parce que je reste perplexe, je me pose encore des questions sur la nature de ce que c'est. Alors je ne vous fais pas languir, plus outre mesure on va dire. C'est un baume, huile, masque, avant shampoing. Tu vois le truc. Donc c'est-à-dire que avec la chaleur, il faut faire très très attention parce que c'est une texture donc cireuse qui devient liquide. Donc là ça va. Elle est solide. Mais en fait, la dernière fois à la maison, j'ai fait « Ah !» J'ai tout récupéré, t'inquiète. Mais voilà. Et donc là, elle est crémeuse à souhait. Oh. L'odeur, elle sent la cire d'abeille un peu. La cire d'abeille. Mais ça sent vraiment trop bon. Donc voilà. Là, pour l'odeur, c'est franchement quelque chose qui sent trop bon. Alors, j'aime tellement l'odeur que je le laisse poser quand j'ai pas besoin de sortir de la maison, je le laisse poser jusqu'à 3 jours. Comment te dire? Oui, parce que là, des fois, je sors pas du tout de chez moi, quoi. Enfin, voilà. Si vraiment j'ai un truc à faire, mais sinon, je sors pas. Voilà, la semaine, je reste confinée à la maison, j'ai rien de particulier à faire. Quand il y a Hugo qui a besoin de quelque chose, ben, en général c'est à la maison, donc pas besoin de sortir. S'il y a des courses à faire, bon, on fait vite fait, mais voilà quoi. Donc je laisse poser ça 3 jours sur mes cheveux. Ça sent divinement bon. Je laisse bien entendu mes cheveux attachés. Et comment te dire, c'est voilà le résultat, parce que exactement aujourd'hui, voilà, j'ai rincé. Regardez-moi ces cheveux. Alors, ils sont nourris. Ils sont magnifiques. Ils sont... Alors moi qui pleurais parce qu'ils étaient secs, là ils sont, je sais pas, ils sont revigorés. C'est un truc de ouf. Alors déjà, ça a un effet de malade. Donc voilà, normalement c'est que 20 minutes. Hein. Tu poses 20 minutes et tu rinces avec... Enfin tu fais ton shampoing, c'est un avant-shampoing en fait. Et puis après tu mets ton après-shampoing si tu en as envie. Mais là en fait j'ai fait qu'un shampoing sans sulfate. Et ce truc, il est sans phosphate, sans sulfate,
sans tout en fait. Et en fait, quand j'ai vu qu'il était sans rien et qu'il sentait, enfin, et moi il fallait que je le teste. Et c'est une tuerie, une vraie tuerie. Alors, ils disent que c'est à utiliser toutes les semaines, une fois par semaine, je pense. Donc c'est à utiliser 20 minutes sur les cheveux secs. Il faut un petit peu en fait chauffer la matière et venir l'appliquer. Et moi j'ai été généreuse hein, pour le premier essai où je l'ai laissé 3 jours. C'est pour les cheveux secs à très secs. Et là franchement ils avaient besoin de quelque chose de strong, hein, de vraiment très fort. Et là bon ben celui-là je le rachète. Ça c'est clair et net. Je vais attendre les moins 25% chez Sephora parce que je vous laisse en barre d'infos tous les endroits où on peut trouver Bumble and Bumble. Parce que je sais, Sephora, c'est sûr, mais il me semble que j'ai vu sur Félunique ou sur The Beautist, et ils sont partenaires iGraal. Et sachez quand même que sur iGraal, vous pouvez récupérer entre 2 et 5% de vos achats. Donc je vous laisse aussi le lien du partenariat iGraal pour que vous puissiez avoir 5 euros déjà dans votre cagnotte en vous inscrivant sur le système iGraal. Et vous pouvez aussi télécharger la barre de recherche pour avoir 1 € supplémentaire. Et en fait, dès que vous tombez sur un site internet, ça clignote, donc ça vous dit que c'est partenaire, vous pourrez encore récupérer de l'argent. Sephora est partenaire, donc ça c'est cool parce que même quand tu dépenses avec moins 25%, tu retouches entre 2 et 5% de ce que t'as, de ton panier hors taxe. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais alors celui-là, je le rachète absolument quoi. Enfin, après, là l'emballage il est dans la salle de bain, mais il est sans tout ce qu'on. Sans alcool, sans sulfate, sans phosphate. Mais je vous mets tout en barre d'infos, bien entendu. Ainsi que le prix. Je crois que le prix doit être aux alentours de. Je veux pas dire de bêtises. Mais je crois qu'il est aux alentours de 40 euros. Mais honnêtement, si vous avez les cheveux secs. Et moi, je peux vous dire qu'il y a quelques jours, ils n'étaient pas comme ça, mes cheveux. Hein. C'était de la paille. Hein. Donc, parce qu'en fait, le truc de décoloration, en fait, je sais pas, bicolore, je sais pas quoi, de Freedom Makeup, enfin, c'est même pas Freedom Makeup, mais c'est Medichem UK. Medichem, c'est Freedom Makeup, mais c'est maintenant, il s'appelle Tam Beauty, parce que ça regroupe Color for, je sais plus quoi, ça regroupe. En fait, c'est Makeup Revolution, quoi, tout simplement. Medichem UK. Et en fait, ça m'a niqué les cheveux. C'est pour ça que maintenant, j'ai des baby hair et tout. Enfin, c'est vraiment horrible. Ça m'a niqué les cheveux. Du coup, ça, il fallait au moins ça pour rattraper de la connerie. Parce que honnêtement, je m'en voulais. Je me suis dit, mais putain, mais pourquoi j'ai fait ce test-là, quoi? Le pire test Octoly que j'ai fait, c'est celui-là, quoi. Et il n'y en a pas eu beaucoup des déceptions avec le partenaire Octoly. Que ce soit Makeup Forever, Bumble and Bumble, ou Estée Lauder, ou même ELF. Honnêtement, je suis vraiment pas déçue. Mais alors celui-là, si je crois que mon. Avec la palette Anastasia Beverly Hills, c'est. Comment te dire? C'est le seul truc où. Parce que les soins, ça m'énerve parce que les soins, il faut 1 mois pour voir le résultat. Mais alors là, il te faut 3 jours quoi pour voir ce que ça donne. Et en plus, ça sent très très bon. Parce qu'en fait, l'odeur, elle s'imprègne dans les cheveux. Et bon, c'est sûr, faut aimer l'huile. Faut aimer avoir les cheveux huilés. Huilés, comment te dire? Parce que les cheveux huilés, ça n'a rien à voir avec les cheveux gras. Parce que étant donné que tu n'huiles pas le haut du scalp, t'as pas les cheveux gras. Mais ici, t'as l'impression, voilà, comme les cheveux un peu afro-métis. Que voilà, ils sont sortis de douche quoi. Donc il faut aimer cet aspect-là, mais après, c'est pas vraiment quelque chose qui m'a dérangée et au contraire, donc vraiment un énorme coup de cœur pour ce produit. Si vous avez les cheveux secs, très 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 secs, essayez ça et venez m'en donner des nouvelles. Honnêtement, parce que ouais non, ça c'est un truc que je rachèterais absolument. Ça a mieux fonctionné pour moi que les masques avec des huiles et tout essentiel. Alors là, ça c'est blindé d'huile. Hein. Il n'y a que des huiles à l'intérieur. Donc je peux pas vous faire une liste tout de suite de toutes les huiles qu'il y a à l'intérieur parce que voilà, je suis allée voir la fiche du produit.
Et il y a de l'huile de ricin, il y a de l'huile d'avocat, il y a de l'huile. Enfin, il y a vraiment des choses de très bonne qualité. Donc, mais honnêtement, moi, le résultat m'a convaincue. Hein. Moi, des cheveux comme ça, j'en veux bien toute l'année. Hein, donc, ouais, je vais attendre les moins 25 ou pour les trouver moins cher, ces masques-là. Mais ouais, c'est. Autant qu'avec les glam. Enfin, ces produits-là, c'est comme Glam Glow, en fait. Il faut le tester au moins une fois pour être conquise par la marque. C'est clair et net. Ceux qui rechignent à 50 euros pour un Glam Glow qui va te durer 6 mois et qui va te donner une peau de dingue, honnêtement, moi je les mets. Moins 25%, mais je les mets quand même. Donc c'est sûr que là, pour Noël, ils vont faire une soirée certainement à moins 25 ou quelque chose voilà, pour la fin d'année. Donc je vais réserver mon argent pour pouvoir me faire une liste de ce dont j'ai besoin et ce que je veux racheter pour l'avoir moins cher. Alors c'est sûr que la tinette va être mal passée. Mais c'est vrai que c'est des choses que tu gardes. Parce que là, tu fais une fois par semaine, il y en a pour un mois et demi de traitement. Mais honnêtement, vu comment ça m'a donné des cheveux, mais magnifique. Je pense pas qu'une fois par semaine ce soit nécessaire. Je pense l'appliquer quand j'en aurai vraiment besoin. Bon, je vais arrêter de vous blablater, parce que ça fait 12 minutes que je discute du bien-être que m'a procuré ce produit. Parce qu'en fait, une fois que vous voyez qu'il y a un problème qui est résolu chez vous, ben, au niveau de la confiance en vous, ça augmente. Donc, je vous conseille aussi de trouver les bonnes armes. Pour les mauvais problèmes. Il n'y a pas de bons problèmes non plus. Mais pour vos problèmes, et en fait, vous verrez que ça va. Les problèmes réglés un à un, l'un après l'autre, vous vous sentirez beaucoup mieux. Là, mes cheveux, ils me disent merci. Donc, j'en ai terminé avec cette vidéo. Vous aurez compris que c'est un des must-have du moment. Et puis, ben, je vous ferai peut-être une vidéo favori d'ici peu de temps parce que j'en ai. Enfin non, j'en ai pas tant que ça, mais j'en ai. Donc, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes chéris, ciao. Are you listening?